Le fort repose une fondation de 8 pieds de profondeur. Il est recouvert de marbre depuis 1984. Le marbre a été utilisé, il a été acheté au Massachusetts, aux États-Unis. Avant ça, c'était de la brique réfractaire qu'on chaulait, parce que les codes des forts, chaque fort était codé. Donc, les capitaines, lorsqu'ils arrivaient en avant d'ici, ils pouvaient apercevoir une structure blanche. Ils savaient qu'à partir de la charte, c'était le fort de Cap-des-Rosiers. Cap-des-Rosiers est un milieu de vie maritime extrêmement dangereux. Les gens qui arrivent d'Europe arrivent sur la pointe de Fort-Rion. Et la pointe de Fort-Rion avance en mer avec ses câbles. Mais s'il fait mauvais, on la voit difficilement. Il y a, comme ça, dans les années, je dirais, 1845 à 1855, au moins 10 navires, ou 10 navires qui se sont échoués à Cap-des-Rosiers. Le phare de Cap-des-Rosiers est construit sur un promontoire qui fait une trentaine de mètres, 100 quelques pieds, et lui-même en fait autant, ce qui en fait le plus haut au Canada. La lumière, le phare qu'on appelle la lumière, est la plus haute au Canada. Ici, c'est 7 pieds d'épais. Et le phare est fait en forme de cône. Je vais prendre mon petit cône. Et 7 pieds d'épais à la base qui se rétrécit par l'intérieur progressivement jusqu'au 9e étage de moitié. Et la pierre, apparemment, vient d'Angleterre. C'est du grès qui vient d'Angleterre. Le fort est ouvert de façon saisonnière. L'hiver, c'est fermé. Donc, on ouvre au mois de juin, généralement à la Saint-Jean, puis on ferme environ à la mi-septembre. Il y a des visites guidées à tous les jours. Alors, les fenêtres sont en alternance. Lorsqu'on est au premier étage, il y en avait en face de vous. Lorsqu'on monte, ils sont en alternance dans l'axe nord-sud. Alors, si vous regardez, on peut voir la mer. Et lorsqu'ils ont construit le phare, ils ont fait en sorte que les fenêtres soient ouvertes en forme de V, faire le plus grand agrandissement. C'est avec l'argent qu'on récolte des visites guidées puis des frais d'entrée sur le site qu'on peut avoir un budget de fonctionnement, qu'on paye nos guides. En général, on engage des étudiants, étudiantes, puis des gens de la région. Alors, on fournit 7 emplois durant l'été. Puis les touristes passent par ici pour aller au parc Fort-Rion. Alors, c'est un incontournable, ils passent par Cap-des-Rosiers. Si on n'avait pas le phare, je pense pas qu'ils arrêteraient ici. Ce qui tient le village un peu vivant, c'est le fort de Cap-des-Rosiers. On a reçu l'année passée 8000 visiteurs. Si on parle de gens qui viennent juste dans le stationnement puis qui ne veulent pas nécessairement payer pour entrer sur le site, on parle d'environ 30 000 visiteurs. Le 15 mars 1858, on a allumé pour la toute première fois la petite lampe à l'huile, et le phare est toujours en fonction depuis ce jour. Le système ici n'a jamais été modifié. Nous, on fait les réparations les moins considérables. C'est-à-dire, on entretient les bâtiments, on achète la peinture, on peinture les bâtiments. On a un homme d'entretien qui nettoie le phare tous les jours durant la saison touristique. Notre budget d'environ, je dirais peut-être 60 000 $ par année. Avec ça, notre masse salariale est considérable. Fait que si on paye nos guides, nos étudiants, nos saisonniers, on leur procure un emploi à chaque année pour les saisonniers. Puis les guides, bien, c'est des étudiants, c'est sûr, qu'on veut engager pour qu'ils restent dans la région. À l'intérieur du prisme, on peut percevoir l'espace entre les anneaux circulaires. Ce qui fait que ça pouvait respirer. Et à l'époque, il y avait au moins jusqu'à 5 feux. On a débuté avec une lampe, il y a jusqu'à 5 feux. Le petit tuyau blanc que vous pouvez voir servait en fait de cheminée pour évacuer la boucane, la suie, la fumée. Maintenant, ça fonctionne à l'électricité. Il y a 3 panneaux noirs, il y a 3 ouvertures qui représentent 60 secondes. Ce qui veut dire qu'un bateau qui arrive du nord ou du sud,
lorsqu'il perçoit la lumière, il peut vérifier si son GPS fonctionne bien, si son système fonctionne bien, à partir du code du phare. 15 secondes de lumière, 5 secondes d'obscurité, 3 fois. L'ampoule actuelle, c'est une 400 watts à vapeur de mercure qui lui donne une espérance de vie de 7 ans. Il n'y a pas de problème avec ça. Si elle brûle, ben, à ce moment-là, ils peuvent la changer, mais ça brûle pratiquement pas, ces ampoules. Pour les gens, c'est leur phare. C'est ta cape de rosier, ça fait partie du village. Je vous le dis, là. Sérieux. Vous étiez fille de gardien de phare. Oui, mon père, c'était Narcisse Rioux. Qu'est-ce qu'il faisait, Narcisse Rioux? Il était gardien du phare, il était aussi opérateur pour la station Marconi. Il y avait une station Marconi ici. Des fois, il y avait des messages envoyés. Il regardait si tout allait bien. Puis c'est sûr, s'il y avait de la brume, il y avait la sirène de brume à s'occuper aussi. Puis c'est ça. Parce que le phare, la lumière, elle s'allumait toute seule. Mais l'été, je passais mes vacances ici. Je faisais visiter les touristes. J'avais 25 sous. Ils me donnaient 25 sous. Puis à la fin de l'été, j'ai ramassé 15 $. Je me suis acheté une douillette pour mon trousseau. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce phare-là? Ce phare qui a changé ma vie. Bien, je suis arrivé à Cap-de-Rosier. J'ai rencontré mon mari, je me suis marié. C'est quand même un point de départ. Mon mari est venu visiter le phare avec ses cousines de Percé. Puis, bien, j'ai fait la même visite que moi. J'expliquais toutes les choses. Puis il m'a demandé d'où... je lui ai demandé d'où il venait. Il a dit Cap-de-Rosier. J'ai dit, comme ça, on va se revoir. Finalement, ça n'a pas été long. Il est venu veiller. Bien, c'était le départ de ma vie, ma nouvelle vie à Cap-de-Rosier. Augustin Fresnel, lorsqu'il a fabriqué un verre, il avait fabriqué un verre qui devait être résistant au vent. Alors, le verre, il est fait à base de silice, de chaux et de sodium. Depuis 1858, si vous remarquez, les bris qui sont là, probablement que ça a dû être fait, ce qu'on peut présumer, dans le transport. Donc, étant donné que le prisme a été fait sur un plan focal bien déterminé, ce qui fait que la lumière... va jusqu'au large, en kilomètres, ça peut représenter 8 à 10 kilomètres. Quand ils ont sorti la loi sur le patrimoine des phares en 2010, il fallait que Pêche et Océan ait déclaré 1000 de ces phares excédentaires, pas tous au Québec, mais la majorité, c'est des phares au Québec. Pour qu'ils gardent le patrimoine, il fallait qu'ils soient cédés à des organismes à but non lucratif ou à une municipalité ou un autre groupe. Alors, plusieurs phares ont déjà été cédés. Alors, il y avait une enveloppe budgétaire avec ça, la cession. Sauf Cap-des-Rosiers, la restauration du phare est extrêmement dispendieuse. On a fait un plan d'affaires qu'on a soumis à Pêche et Océan, puis on parle d'environ 6,5 millions pour restaurer le phare de Cap-des-Rosiers, qui est le plus considérable. Le phare de Cap-des-Rosiers, c'est la dernière tour impériale qui existe au Québec. Ça veut dire que ça a été construit avant la Confédération. Alors, pour ne pas la perdre, bien, puis la conserver, bien, c'est ça, là. Il faudrait qu'il soit rétrocédé, mais on ne veut pas qu'il soit rétrocédé sans que sa réfection soit faite, parce que personne n'a les moyens de faire une réfection de cette ampleur-là. Le fait que le ministère en prenne charge, bien, il devrait normalement le réparer. C'est pas le comité comme tel qui a le pouvoir de le faire, c'est le gouvernement qui aurait le pouvoir de le faire. Le fera-t-il un jour? Je l'espère, parce que moi, j'ai des petits-enfants. J'espère qu'un jour, mes petits-enfants puissent venir faire la visite du fort comme tel.
Pêche et Océan disent qu'ils n'ont pas le budget pour faire la restauration du phare. Même s'ils l'utilisent. Même s'ils l'utilisent, puis ils sont encore propriétaires. Puis le phare est encore actif. Sa lumière, le code lumineux, il est encore en fonction pour sauver encore des vies, probablement. C'est-à-dire, sauver une vie, c'est déjà assez, tu sais. S'il en sauve plus, tant mieux. Mais c'est encore actif parce que les eaux sont encore très dangereuses, puis ils peuvent pas se permettre de plus avoir d'aide à la navigation ici, là, tu sais. On l'abandonne. On s'en occupe pas du patrimoine. Si c'était pas pour les gens qui ont repris l'effort de Pêche et Océan, là, qui ont investi pour ça, ils ont eu une petite enveloppe budgétaire, si ça avait pas été de ces comités-là, là, au Québec, l'effort serait à l'abandon, là, complètement. Le problème qu'on a, c'est qu'on a beau communiquer avec Pêche Océan ou avec la ville, avec le gouvernement du Québec, il n'y a pas personne qui veut mettre son pied là-dedans. T'sais, tout le monde dit oh, on n'a pas d'argent ou ça nous appartient pas, ça appartient au gouvernement, on veut pas s'en occuper. Tant que ça va appartenir au gouvernement, le gouvernement du Québec, il dit tant que ça va être la propriété du gouvernement du Canada, on ne peut pas investir dedans. Ça, je comprends ça aussi. Puis le gouvernement du Canada, il dit on s'en défera jamais. Fait qu'on s'en va où avec tout ça, t'sais? Par des décideurs n'ont vraiment aucune idée de l'importance du patrimoine maritime pour le milieu. Ce sont des gens qui vivent en vase clos, vase urbain. Ils comprennent ce que ça peut apporter à Québec si on dresse un phare dans le bas de la ville. Mais ils comprennent pas que dans un village, si tu gardes ton phare et que tu le mets en opération ou que tu facilites une exploitation touristique, ils ne comprennent pas que ça crée des emplois. Ça, il peut avoir 10-15 personnes autour d'un phare qu'on exploite au plan touristique l'été. Ces gens-là, ça leur donne un gagne-pain. Parce que c'est une tour qui a été construite avant le Canada. Oui. Fait que déjà, c'est plus vieux que le Canada. Il y a déjà une pancarte, là. T'sais, il est monument historique. Il était déjà classé. Il est doublement classé aussi. Il devrait être tout retapé, remis à neuf. Le phare de Cap-des-Rosiers, c'est un emblème de la Gaspésie. Il est partout. On veut le conserver. Puis on veut que notre patrimoine soit... On veut assurer la pérennité de notre patrimoine.